Le rôle de l'hybridation dans la décarbonation du secteur aérien consiste à connecter des moteurs électriques à une source qui est soit une batterie haute tension, soit la conjugaison d'une batterie haute tension et d'une turbogénératrice, ce qui permet l'allègement de toute la chaîne et de réduire les émissions CO2. Les défis aujourd'hui à relever sont l'optimisation de cette chaîne électrique, l'introduction de composants haute tension et leur intégration dans le système. Les avantages espérés sont d'atteindre un rendement supérieur à 95% sur les moteurs électriques, comparé à un moteur thermique classique qui est à 40%. L'objectif aujourd'hui est d'intégrer toute la chaîne électrique avec des composants matures et candidats à la certification. Aujourd'hui, nous sommes au stade de prototype testé électriquement et nous visons début 2023 pour le tester dans un environnement avion.